Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais rencontrer le 10. Le 10 de qui? Le 10. Je mets, je suis en train de prendre les forces. Parce qu'on m'avait fait la thaïlandaise. Massage thaïlandaise au 10. Papa n'a plus la Kali. La reine m'arrive. Ce soit toi et moi. Merci 20 minutes du peuple. Linda Monnery, la coupeuse de talent. La coupeuse de talent. Je me suis en demandé la bonne viande. Je mets les forces parce que ce week-end, mon week-end est tellement chargé. Le bonheur se vit maintenant. La vie nous joue de tout. Hein. Ah oui. Pendant que d'autres pleurent leur misérable vie. Les autres brillent. Le Seigneur joue un rôle important, maman. Ce soir, on va taper le divin sur TikTok. Je vais vous parler des effets du départ. La drogue du commandement. La drogue du commandeur. Je vais vous parler des effets de la drogue. Parce qu'il faut sensibiliser. Ma foi, Placalip. Ça va, chérie. Je vais vous parler des effets secondaires de la drogue du commandeur, puis la cocaïne. Je vais vous parler des effets de ça. Une drogue qui est faite pour les gens qui ont l'argent. Les pauvres, quand tu es pauvre, tu penses ça. Ça change ta vie. Je vais vous sensibiliser sur ça. Nous sommes vos grandes soeurs, les vieilles chouettes. On a connu la vie. On doit sensibiliser la jeunesse qu'elle est. N'essayez jamais la drogue du commandeur. Oui. Parce que ça te rend. Quelque chose qui est fait pour ceux qui ont l'argent. Tu n'as pas les dos, tu prends ça. Tu vas vendre même tes caleçons. Tu vas vendre même les perruques. Tu vends tout ce que tu as. Oui. Quoi? C'est pas fait pour tout. Je vais vous parler de ça. Les effets de la drogue du commandeur, qui est la cocaïne. Une drogue d'abord, à la base, qui est faite pour ceux qui ont la. Et quand les gens n'ont plus ça, ils prennent le cure. Oui, le ne pas. Le yayato. Maman, les effets secondaires du yayato. On va comment? Oui, ok. Le cœur. Les effets comment? Hein? Les effets comment? Les effets secondaires du yayato. Ouais. Je dois vous sensibiliser parce que c'est important. À ne pas conseiller, ne tentez jamais de toucher à ça. Sinon, vous allez finir vert. Le bicarbonate mélangé avec le fer, vous allez tirer ça. Vous allez finir vert, bleu. La misère. Ça. Entre ma fille et vous. Maman, il y a les gens qui vivent leur deuil grand. Hein? Les effets du cœur. Tu vis ton deuil vivant. Tu pleures ton deuil vivant. Le cœur de ça. N'essayez jamais. Ne tombez pas dans le cœur. Même le sel ici. Vous allez mettre dans les narines en croyant que c'est ça. C'est dangereux. Oui. Oui. Rendez-vous sur TikTok ce soir. On va parler de l'effet du cœur. Comment tu peux l'effet du chlore.
Il n'y a pas que les watts. Hein. Vos soeurs sont dans ça. Grave. Le cure-là, regarde où tu me plaignes. Quand tu penses à ça, tu m'as rasé sur le sourire. C'est grave. Ça fait des ravages. Le cure-là de maman. Tu te retrouves seul. Qui va se retrouver seul? Maman, j'ai moi mes abeilles. J'ai mes quelques années. C'est le cure. Maman, le cure. Tu finis bleu. Même, je dis que quand le cure est dans le sang, même le diable sang ne réagit pas. Même le filtre ne donne pas. Prenez les exemples sur nous. Le kioma, hein? Vaut mieux d'aille une fois. Je vous dis que vaut mieux d'aille une fois que d'avoir le secondaire du kio. Le kio que vous voyez là, c'est le feu. Ma yam sœur, je viens de voir une vidéo de ma yam sœur et par autant. Pour former un beau coup. Je veux venir en formation pour l'attachement. Ma yam. Pardon. Invite-moi au cours d'attachement. Je vais apprendre comment attacher pour joie. Oui, dites à ma yam sœur que la façon que je l'ai vue dans la voiture avec Paola, je veux la formation d'attachement. Je veux joie pendant l'attachement. C'est-à-dire que je veux joie pendant l'attachement. Non, ma yam. Paola. Et donc, toshu. On le reprend. On ouvre le litchi pour le si pour le doter, on le dote. C'est comment? Vous croyez que quoi? Les gens sont les coups derrière les plats, les pas à placali. Les papas à placali. Nous, on coup derrière par quoi? On reprend notre part. Pardon, courez dire à Mayam que je veux la formation d'attachement. J'ai tellement envie qu'on m'attache. C'est dans la nature. Oui. Parce que le jeu là, j'adore. C'est-à-dire quand tu vois ma yam sourire dans la voiture, la petite vidéo là, tu sens qu'elle a bien dormi. C'est de ça qu'il s'agit. Ma yam, vis ta vie. Ne calcule personne. Si c'est attaché qui est bon, tu attaches, tu doubles encore les cordes là. J'ai le reste de mes cordes. Et ça, c'est pour moi-même. Pao, je veux deux qualités de cordes. Attache-moi. Je veux ça. Je ne rêve que de ça. Que tu m'attaches. Ah oui. On valide l'attacheur. Notre part au d'amour. On le reprend, non? Hein, les gens? On ne reprend pas au non? Mayam. Le tout-ci. Par au. Je suis pas attendre pour la tous pas. Si tu reviens dans la maison par où, si tu rentres dans le mariage, officiellement de Maya, je te promets une bonne, une très bonne, une bonne et juteuse tous pas. Une bonne et juteuse tous pas. Ce sera le feu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que rien que le fait que vous voyez deux dans la voiture, la petite vidéo là, ils ont trop envie.
l'invitation. Alors, j'ai dormi dans le TGV 6 heures de temps en pensant à vous. On reprend par où? Je vais y veiller pour ça. On le reprend, non? On reprend. Il partait même d'abord où? On reprend par où? Désormais, c'est le beau des beaux. Appelé par où? Le beau des beaux. Oui. Debout. Bel homme. Oh, Mayam, tu connais donner le devoir. Ouais. Comment tu peux donner le devoir la semaine? Tu donnes le devoir pour le week-end. Oh. Merci, Mayam, c'est chaud. Merci d'occuper tous les travailleurs sans salaire, de leur donner le travail, de quoi gagner les centimes sur les réseaux. Merci de leur donner le travail. Tu as moins. Peut-être d'être ingrate avec ta stamania. Voilà que tu continues de partager parce que tu es d'une bonté inimaginable. Voilà pourquoi tu lances le devoir de la semaine de reprendre par haut. Par haut le beau des eaux. On le reprend. Oui, on ne négocie avec personne. On reprend notre par haut. Il y avait même quoi avant? Mais, Mayam, tu as défabriqué les noms, hein? Vous savez pas qu'il y avait des hommes qui voulaient, les hommes qui rêvaient de la Stamania? Tu as défabriqué. Voilà que ton ancien nom, on l'a oublié. Désormais, Lolo TV Otam. On le fabrique, non. Mayam, on le fabrique pour nous. Non, on ajoute le nom d'un homme sur ça. On le reprend. On reprend. On reprend par haut. Mais on n'ajoute pas son nom sur notre télé. Hein? Oui. On reprend par haut. Hein. Mais on ne rajoute pas le nom là sur notre télé. Oui, on ne sait jamais. Il peut. Soyons prudents. Il peut avoir la stamina maintenant. Il peut aussi commencer à faire le couple. Non. On le fabrique. Je dis que. À l'heure, si. On reprend par haut. Tata Lolo TV Otam. Tata Lolo TV Otam. C'est un homme bien. J'ai rencontré Otam plusieurs fois. Il n'a jamais mal parlé de Lolo. Hein. Il n'a jamais mal parlé de Mayam. D'ailleurs, on sera sur le plateau à deux. Non, le retour de la télé, non. Le retour de la télé, non. Le plateau. Lors de l'île Otam. Il sera deux. Le retour, ça sera fracassant, mon frère. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit que t'as le Lolo TV de t'as le TV de pas au tam jamais quoi pour les confabés le nom après on arrache encore quelqu'un d'autre pas avec lui. J'ai dit que le tout on va le doter. Non, on retire le nom d'accord chez nous. Karen Peck dit que jamais, qu'on retire, qu'on ne veut pas ajouter encore le nom. Elle dit que le retour de la télé, ma faute, Flop et Monsieur Otam, sur le même plateau, ça va chauffer. Oui, l'émission là, chargez vos téléphones. De toute façon, on m'a fait mal. Très bien. Je peux prendre ça. Il y a la crème brûlée. Là, la crème brûlée, noisette. Oui. Tu veux la brûlée? Oui, merci. Quand on est encore à ta chaîne, il veut tenir dans la peau de ma main. Ok. Alors là,
ma yamseur. Et la mère des bons gosses, il faut que tu sois à la télé, tu vas m'accompagner. Rien, les ninjas. Pourquoi nous voulons le Watt? Pourquoi? Quand nous voulons le Watt pour Tata Lolo, pourquoi? Elle aime le Bang, elle aime le Bonka. C'est l'homme qui dote la femme et non le contraire. On connaît nos Mireille Tépé. Toi aussi. Tu crois qu'on va aller le doter? Comment? Est-ce qu'on a dit qu'on avait allé le doter? Ah, je ne bois plus, je bois alors le rosé. Ok. C'est que je mangeais de la viande, chérie. C'était la viande. C'est l'endroit où il appartient. La vie. C'est normal. Coucou, ma faute, ta copine est où depuis? Bah, ma copine, elle est là. Elle va bien? Ma copine, elle est là? Elle va très bien. Ma copine est là, non? Ma copine au Cameroun. On va faire fort. On va faire fort. En tout cas, j'ai remarqué que le céphalope et le chien sont les meilleurs amis. C'est vraiment adorable. Attends, mon dessert. La mère des bons gosses, elle sera aussi à la télé, non? Ma foi, il faut bien te maquiller et porter une belle tenue ce jour-là. Comment tu peux douter encore de mes tenues? Quand tu dis porter une belle tenue, c'est comme si je m'habille souvent mal. Moi, je m'habille selon mon âge, je suis selon mon rang même social. Je suis une ma foi. Tu m'as déjà vu sortir mal habillée, les sorties officielles. Je suis toujours bien habillée et je suis sûre de ce que je porte. Oui, elle va très bien. Merci. Lynn Sophia. Hot. Tout le monde va bien. Tout le monde autour de moi se porte bien. Merci de prendre des nouvelles de mon entourage. Oui, nous-mêmes. Mimi, alors j'aime quand les détracteurs font notre promotion, moi aussi. Micheben.com, merci d'avoir confirmé qu'il y a déjà. Je lance la vente officielle des tables. La vente officielle des tables le mardi. Merci. Mon dessert, j'adore ce dessert, la crème brûlée. Donc télécharger le... Guéma m'a dit quoi là? Donc pour avoir, pour charger vos pièces, pour jouer sur TikTok, pour donner les cadeaux, vous deviez télécharger et mettre l'IP, c'est l'IP non, au Brésil, pour avoir beaucoup de pièces. Donc vous m'avez acheté sur vous. Je te parle sur WhatsApp tout à l'heure, s'il te plaît. Tu as oublié de m'envoyer un truc là, sur WhatsApp. Je veux savoir une chose. Hein. Je demande seulement comme ça là. L'autre a déjà accouché ou pas? Elle a déjà accouché. La fille là, comment on l'appelle même là? Je n'en reviens pas. Celle qui est enceinte là, elle n'a pas encore accouché parce que je vois les gens qui accouchent le père, elle a accouché comment non? Donc les abeilles chou. Je sais que vous ne connaissez pas bien TikTok. Donc téléchargez le VPN, vous mettez au Brésil pour avoir plus de pièces. Pour jouer ce jour là. Le VPN, vous mettez au Brésil parce que les pièces sont moins chères. On va gagner ce match. Ce soir, on va essayer de jouer encore. Il faut que vous venez jouer avec moi. On s'entraîne, c'est l'entraînement.
Brice Ateba, je te vois, bonjour. Moi, il faut plus l'information TikTok. Sur TikTok, d'accord. Je vais donc demander aux gens de me formuler ça. Lise Sophia Brenda. Lise, formule-moi ça. Tu m'envoies sur WhatsApp. Ou bien sur Inbox, non, s'il te plaît. Oui, pardon, faites-moi un post pour le match sur TikTok. Vous m'envoyez, je vais le poster. Offre une pause à ta voix intérieure avec toi. Prie donc, ça va marcher. Vous savez, même quand on est mon détracteur, quand ça arrive que je n'ai pas de nouvelles, je demande quand même. Hein, parce qu'il faut avoir les détracteurs pour faire toute une vie. On a besoin tous de ça. On ne peut pas aussi évoluer sans les détracteurs. Le VPN ne marche plus, il faut directement acheter sur Google. Ah, d'accord. Donc, Lise, pardon, il faut formuler un message, tu m'envoies, je poste non. Pour expliquer comment télécharger, tu mets mon lien TikTok, tout ça, s'abonner. Et tout. Oui, on m'a dit ça, je vais appeler virus tout à l'heure parce que je suis en train de. Vous savez que j'habite un peu loin de Paris. Je me suis levée à 5 heures. Au temps de cuisiner ce que mamie va manger, de ranger la maison, de bien la mettre avant de partir. Hein? Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Maintenant, en attendant la personne qui va venir là, rester avec elle, je suis d'abord partie, vous voyez. Je vais t'envoyer un mot, ok mon cœur. Tu vois comment je te gronde plus dans l'île, c'est... Mimi Love. Merci. Berlin, Berlin. C'est comment? Tu vas bien. Tu vois comment la paix est bien, non? Comment est-ce bien avec ma yam? La paix là qui dérange. Ouais. C'est tout le monde. Si les gens étaient, tout le monde était comme moi. C'est que je ne sais pas. Ouais. Wakatolo m'a donné les cadeaux hier. Hein. Tu vois comment la paix est bien, non, maman Lili? La paix est trop bien, maman Lili. Bientôt la Coupe du Monde de au Canada, États-Unis. D'accord, on sera là, bien sûr. On sera à la Coupe du Monde pour soutenir toujours le Cameroun. C'est simplement de le regarder s'éloigner. Orange, je veux. Enfin, de soutenir deux pays, le Cameroun et la France. Oui, tu ne prends plus les balles perdues parce que tu es calme avec moi. Tu ne me sissias plus en live. Je n'aime pas quand les abeilles me font les remontrandas en direct. On va vous soulever aussi. Merci, Belin, Belin. Merci. Hey, Michel20.com, elle a pris son salon. Hein. Mais ne partez pas commencer à lui demander quoi elle veut rester avec toi. Elle a pris son salon déjà. J'ai le cahier, je vais donner la liste des personnes qui ont pris le salon. Parce que le salon, je vais limiter le salon. Hein. Je vais limiter. À 20 salons, j'arrête de vendre les salons. C'est que la place pour danser. Les salons à vendre, je vends 20 salons. C'est là qu'il y a des séparations. 20. Tu m'as dit, je vais vendre 20 salons. Pas plus de 20 salons. Donc, Chantal Beyoncé, bonjour à toi. Qui c'est qui veut le salon? Elle sait que le plan est fou. Elle doit le lâcher. Il a besoin d'être seul. Je vais prendre le deuxième verre. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu respires. C'est un. Je le deuxième verre. Merci. Ton nom là que tu as mis que Yoko va trembler là, tu vas changer. Tu vas changer le nom là. Adélie Yamga, bonjour ma grande sœur chérie. Je sais que tu vas bien, je t'ai pas vu. Hein.
lors de ces dernières soirées à Paris, je ne t'ai pas vu. Mais je suis sûre que tu attends le 2 novembre pour sortir. J'espère que où est-ce que tu es, j'espère que peu importe où tu es, j'espère que tu vas bien, ma grande soeur chérie, Adeline Yamga. Donc voilà, elle fait magie, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Tu sais que j'ai 6 heures à faire dans le TGV. Je dois m'asseoir. C'est quoi, tu me dis d'aller boire l'eau, ça veut dire quoi? Tu me vois souvent boire, qu'on va boire l'eau. Tu ne vas pas passer en TGV. Le TGV, c'est 6 heures jusqu'à boire à Toulouse. Qu'on va boire l'eau. Si je veux pas boire l'eau, je vais aller pisser. Non, ça va me faire aller pisser. Merci, madame. Je peux avoir l'addition? Oui. Merci. Mais quand je... Bien. Comment? Est-ce que je bois? Ma femme ne boit jamais. La Weti. La Weti. Laisse t'en prendre l'avion Paris-Toulouse, c'est vrai. Bien sûr que je vais prendre mon fauteuil. Vous êtes deux, donc je vous réserve deux fauteuils. Toujours. Rosa Rose. Il fallait prendre l'avion, c'est vrai. Mais c'est que, comme je suis beaucoup dans les avions, j'ai demandé cette fois-ci que je voulais pas aller à l'aéroport. C'est pour ça que j'ai demandé le TGV. Bon, j'aurais dû. Merci à Papy de Longchamp qui m'attend déjà. Il est déjà à Toulouse, il est arrivé. Il est arrivé, mon petit frère Papy de Longchamp. Qui est déjà arrivé sur Toulouse. Tu vois, je commence à garder les reçus comme les watts comme ça. Là. Ça, c'est quoi? C'est quoi de quoi? Les reçus de quoi? Donc, j'ai encore combien de temps? Mon temps, c'est 14 heures. 14 heures, j'arrive à 21 heures. Ça dépend vos moyens, 800 exactement, Alex Rodriguez. Il y a l'étape de 800, non, l'étape c'est 1000 euros, 1500, et les places individuelles c'est 50 euros sans rien. Le Shabbat, le debout debout, la tigresse. J'espère que tu vas bien. Je compte te voir la tigresse du Cameroun. Vraiment, tu m'appelles pourquoi? C'est quoi? Les gens du Cameroun, je viens de rentrer, vous me bipez déjà, pourquoi? N'est pas l'argent. Ah, tu viens de rentrer du pays normal. Je vais faire le direct le soir. Mais. Il parlait du problème de Mani Bella. On va parler du direct de Mani Bella ce soir. Ma jolie Pocam, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je te vois pas, toi. Merci, madame. C'était très bon. C'était délicieux. Ma femme, un coucou à tonton Kunagero. Oui, mon frère chéri Kunagero. Il avait pris son sang. Merci, monsieur. Il a pris son salon. Ça, c'est le carnet de billets pour papy. Il a pris une table de 1000 et une table de... Ça, c'est pour papy. Ça, c'est le carnet pour le Longchanel. La fille de Longchamp, il a pris une table de 1000.
Et c'est son carnet. Il a pris une table de 10 places. De 1000. Donc ça, c'est le carnet de papy de Longchamp. Ça, c'est le carnet d'une dame à Toulouse. Ça, c'est le carnet d'une autre personne. Donc, voilà les trois carnets que j'amène à Toulouse. Ce sont des gens qui ont déjà, qui m'ont demandé de ramener leurs carnets parce qu'ils vont payer maintenant. Voilà. Donc, je ne marche pas que je vais commencer à... Non. Je ramène les carnets parce que ce sont des gens qui ont, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ma foi, pardon, ramène notre carnet. Donc, papy de Longchamp qui a pris une table de 1000. Il y a un jeune là qui m'a dit, ma foi, ramène-moi 10 places de 50-50. J'ai ramené. Et une autre personne qui a pris 1000 aussi, donc 3. Donc merci de prendre vos, de commencer à acheter vos tables. Non, il ne faut pas le payer exactement. Les gens paient, chérie. Par exemple, je donne juste un exemple. Par exemple, il y a Clarisse qui a pris son salon de 2500. Elle a déjà donné 2000 euros. Il y a une dame aux États-Unis qui a donné ses 2500. Il y a Michevin qui a déjà donné ses 1500. Il y a ses 1000 à payer. Donc les gens, quand même, donnent quand même le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est pas que je donne les tickets, je prends l'argent après. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, quand je te donne le ticket, tu me donnes une avance. Tu me payes. Je te donne le ticket quand tu as déjà payé. Donc, je voulais vous annoncer que à certains petits... Je ne vais même pas prononcer parce que ça ne sert à rien. Je voulais vous dire que Kunagero sera bel et bien présent le 02 novembre. Il a pris son salon et ils sont 5. Voilà. Parce que ça ne souffre de rien. On vient s'amuser, on ne vient pas chercher les amitiés. Chacun vient s'amuser pour son compte personnel. On ne vient pas pour quelqu'un là-bas. On ne vient pas le 2 novembre pour quelqu'un. On vient d'abord pour soi-même, pour se faire du bien. On ne vient pas chercher les amitiés. La salle, c'est une salle de 1500 personnes. Chacun peut être de son côté. Faire la paix, c'est bien, mais ce n'est pas obligé de faire la paix. Ce n'est pas obligé. Pour faire la paix, il faut avoir des envies de faire la paix. Maman, beaucoup, beaucoup d'argent comme ça, là, on va faire comment? Mon chéri d'amour, tu vas bien. Mon père sera avec Muriel Blanche. Ne t'inquiète pas, il sera bel et bien là. Il y aura des stars. Les stars interplanétaires. Donc, ma soirée est ouverte à tout le monde. À l'heure de ma soirée, de la prestigieuse nuit de l'ambiance que je présente, il n'y a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis quand on fait un événement. Je ne choisis pas de camp ou quoi que ce soit. Chacun connaît sa place auprès de moi. Chacun connaît quelle valeur il a autour de moi. La prestigieuse nuit de l'ambiance n'est pas un événement bracata. Nous ferons la paix que ceux qui aiment la paix et ceux qui n'ont de force à personne. Oui. Oui, il y a l'association Abomos qui a déjà aussi payé sa table complète. Qui a déjà payé sa table. Coucou mémé, j'étais contente. Ça m'a fait plaisir de te voir, mémé Kachua. C'est un plaisir pour moi de te voir à l'événement de Jean-Aubin Gamon. Donc, c'est un plaisir pour moi de te faire un bisou et de te serrer dans mes bras. Donc, comme je vous disais, on vient à la prestigieuse nuit de l'ambiance pour s'amuser avant tout. J'ai oublié, il y a la mère de Bobos qui a aussi avancé son salon. Parce qu'elle m'a dit qu'elle veut s'asseoir une place. Elle ne s'assoit pas, elle que salon une place. Donc, la prestigieuse nuit de l'ambiance, il n'y a pas que tu es ennemi avec toi. Moi, je suis là pour que mon événement réussisse.
je collabore avec tous ceux qui souhaitent venir à mon événement. Un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Je suis avec tout le monde. Il y a Marc Larose qui dit que je veux 2 places et demie. Je fais comment? Il n'y a pas de problème, on va arranger ça. On va gérer ça. Marc Larose, tu sais que il faut que tu prennes aussi... D'accord, on va causer ma belle chérie. Il faut que tu sois avec le père le jour. Pourquoi tu veux prendre 2 places et demie? Tu prends 2 places, le père et toi. Ok, et si tu veux prendre 2 places et demie, le demi c'est qui? Tu prends 2 places, ton chéri et toi. Tu sais, sur votre salon, 2 places. Et les rosettes et les rosés sont sur la table pour faire le garde du corps. Les rosettes et les rosélitas sont en train de... Ils font maintenant la garde. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont se serrer dans la main. Est-ce que c'est ça que tu dis petit comme ça? Oui. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut se battre. Que les gens voient comment tu te bats. Je ne peux pas m'asseoir et je dis, il n'y a pas de prix pour les étudiants. Pour les étudiants, c'est 50 euros, chérie. Le debout, debout, il vient même aider la main fournie. Mon canapé ne souffre de rien. Tu vas annoncer mon entrée. Je suis aussi stambac, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des gens. Je vais annoncer. Je vais annoncer. C'est ça que tu dis petit comme ça. On va annoncer tous ceux qui prennent les salons. Même ceux, il y a une heure, il faut que à 23h, vous soyez tous là. Mais la personne qui m'a fait les brochettes, je vais prendre la personne qui a fait les brochettes chez maître. Donc, il y aura les brochettes de bœuf, il y aura le tabac de chèvre, le tabac de porc. Donc il y aura ça. Dans la rose 237. Ta place avec le père. Oui, 2 places le père et toi. Que 2 places et demie, pourquoi? Le père et toi. Le père va sortir officiellement le jour-là. Il ne sort jamais. Ton mari. Le jour-là, on verra les couples. Vrai, vrai. Ne vous inquiétez pas. Kunagero n'est pas un sauvage. Et mon père n'est pas un sauvage. Non. Ne vous inquiétez pas. Kata Lolo TV sera là, mais attends. Si je te dis que la reine mère de Lolo Malaya, Julien Zombie, a déjà réservé son salon. Bien sûr que vous, les Lolo Mania, vous devez prendre le salon de votre star. Tata Lolo, c'est vous qui devez faire la surprise à votre star et prendre son salon. Parce qu'on va décorer son salon avec sa photo. Ce n'est pas n'importe qui sur le présentatif. Ouais. Sa photo sera devant son salon. Son salon sera personnalisé. Pour toutes ces personnes qui veulent le salon personnalisé, n'oubliez pas de me dire. Et ceux qui veulent vont fêter leurs anniversaires à cette soirée. N'oubliez pas aussi de me dire. Mireille Tépé, tu sais, il y a les détails qu'il ne faut pas donner. Il y a les détails qu'on ne donne pas ici. Tous les rentrées de la prestigieuse nuit de l'ambiance appartient à la reine mère. Ça veut dire que ce soit les brochettes, que ce soit le tabac, quoi que ce soit, je prends un service qui fait et je paye. Parce que c'est dans ça, il n'y a pas de gagnage de marché dans ça. Parce que c'est où on gagne. Ce n'est pas qu'un marché qui avait donné à quelqu'un. Non, c'est là où je veux vendre pour moi. La personne qui va venir faire, je paye sa main d'œuvre. Et la personne le vend pour la caisse qui est moi. Donc si on commence à donner aux gens que prenez le marché de ceci, vous faites prenez. Je vais alors gagner quoi, moi? Puisque dans les soirées, c'est la vente des brochettes et la boisson. La vente de la boisson, c'est ça qui fait le bénéfice. Si on commence à donner les marchés aux gens, moi, j'aurais quoi? J'aurais souffert, pourquoi? Oui.
Donc, pour ceux qui vont vouloir faire les photos avec Tata Lolo, vous allez payer 10 euros à la caisse. Ou bien... Maman, elle pleure de ça. Parce qu'il y a des gens qui n'entreront pas ma soirée. Ok. Ma soirée, ils vont vivre ça que sur Facebook. La dernière, vous avez dit que c'est au marché central. Ça sera plus que ça. Ça sera le goulou mélangé avec le côté. Et Marc Larose, vous pouvez exposer vos produits. Je vais vous donner un stand. Je ne sais pas si en Nanterre je peux faire ça. Je vous aurais donné un stand en Nanterre pour exposer vos produits. Ah, je remercie. Il y a un fabricant de champagne qui m'a contacté pour sponsoriser. Hein. Donc tous les sponsors, les personnes qui veulent sponsoriser la soirée, venez nombreux, hein, venez contacter moi. Force, force, s'il te plaît. Ne mélange pas le nom de Kun à n'importe quoi, s'il te plaît. Je suis désolée, Kun c'est quelqu'un à respecter. Et ne mélange pas, c'est pas quand vous parlez, partez dans les pages, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ici, ne mélange pas son nom à la poubelle, s'il te plaît. Kun c'est quelqu'un, j'ai été chez lui, dans son domicile privé. Donc Kun c'est mon frère. Je ne discute avec personne. Non, tout le monde peut venir. Il faut aussi dire à Marc Canada qu'elle peut venir. Toutes ces femmes-là, venez à la soirée. J'ai interdit ma soirée qu'à 2 personnes. Je vais placarder les photos. Le reste là, vous pouvez venir. Même Marc Canada, tu peux venir. Ma grande soeur Nathalie, tu peux venir à la soirée. Il n'y a pas de problème. Tu seras accueilli par tes abeilles. Tout ça très bien accueilli. Donc, la soirée, tu peux venir. Tu seras bien reçu. Ne t'inquiète pas. C'est un bracata, non? Pour venir. Tu viens avec ton équipe. S'il te plaît. Je vous attends. Venez nombreux. Donc, je vais revoir le plan de la salle pour voir si on peut. Parce que je veux que les gens s'amusent bien. C'est une salle de 1500 personnes. Mais je ne mettrai pas 1500 personnes. C'est une salle de 1500 personnes, mais je ne vais pas mettre 1500 personnes, non. Il faut la piste de danse, il faut la place des salons. La place du président Henri Mamouza, toujours. Oui, on va personnaliser l'image de Tata Lolo. Donc, les Lolomaniens, contactez-moi pour qu'on organise ça bien. Contactez-moi. Je pense que je vais créer un groupe même pour l'événement du 2 novembre. Comme ça, vous donnez vos numéros, on ajoute. Vous pouvez vous entendre entre vous, les Lolomaniens, vous prenez vos tables. Comme ça, vous serez ensemble. Vous n'êtes pas obligé de dire quel faux profil vous serez. Oui. La minute du peuple, ta grande soeur Marc Canada sera là. Ah. Ah bon? Ah, je dois lui payer le cachet, c'est ça? Maman, vous êtes folle. Donc, il faut lui payer le cachet pour qu'elle vienne s'amuser. Maman, il faut lui dire que j'ai compris. J'ai encore le temps, c'est pour ça que je suis assise. Ok, même les faux préfils, venez, bien sûr. Non, elle a le droit, elle peut venir. Ah, il ne faut pas créer le groupe, d'accord, chérie. C'est vrai, tu as raison, je n'aurai pas le temps de gérer. Donc pour ceux qui veulent les billets,
commencer à prendre maintenant pour, que, pour ceux qui sont loin, je vous envoie par la poste. Il y avait qu'à faire, on a commencé à dire. Nous, on est avec des sirènes, ils ont ralenti au niveau des. Donc, on ne peut pas dire, ça ne peut pas faire. Il y a un FDE, je t'emmène, tu ne sauras pas. Mireille, tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes ça maintenant. Tu n'insultes pas. Vous les enfants, si. Comment vous avez les éducations des sous-quartiers, comme c'est quoi? Quand vous me voyez, est-ce que je parle mal aux gens? Quand c'est à quel point je suis respectueuse? Tu viens là, tu insultes ta soeur. C'est quoi? Calme-toi. Nawati. J'ai mangé, maintenant il faut courir, le sport. Et les travaux. Avec la garde d'Austerlitz, il faut marcher. La marche de ça. Paris en travaux et tout ma nourriture que j'ai mangé, ça va encore finir dans mon ventre. Parce que moi, vous voyez boire le vin comme ça, c'est parce qu'il avait dormi. Je dis qu'il y a des personnes qui ont sous payé leur place qu'à Londres. Je vais les chasser. Oui. Je chasse et je ne rembourse pas. Nathalie Gacha, il vient de m'envoyer. Ah, ma. Je suis en train de voir ma soeur ce que tu m'as envoyé. Ça a réussi, hein, ton debout debout. Cette personne qui est en train de m'envoyer son debout debout qu'elle allait faire. Avec son bébé. Hein. Prenez vos tables. Avant fin octobre, il ne doit plus manquer. Oui. Bon, les cœurs chauds, je vous fais des gros bisous. Et on se dit ce soir à Toulouse. Je sais que quand je vais arriver, je vais être dehors. Non, j'ai déjà imprimé mes billets. C'est pas grave, je vais envoyer que les gens aient leurs billets en main. Oui. Moi, il ne faut pas voir. Je sais que tu travailles beaucoup, mais sois là. Moi, il ne faut pas voir. Il te fait avec le Congo ça. Si elle te fait le Congo ça, là. Donc, ta personne. Donc, ta personne m'écrit pour dire que. Alors, là, oui. Tu es la femme de ma vie. Tu me manques. Je ferai de toi une reine. Je lui ai répondu qu'un. Combien de fois tu m'as trompé? Combien de fois tu m'as trompé? Papa, que j'ai couché dans le lit avec toi. Tu draguais ailleurs. Et si tu ne m'as pas traité de reine, une fille fidèle comme moi, qui a tout préparé et qui te faisait bien ça comme il faut. Tu vas trouver une autre femme qui va te faire bien comme je te faisais. Il me dit que ça ne m'intéresse pas. Je te dis la vérité. Je dis que ta personne me pleure. Ta personne me pleure. Oh, tu es la femme de ma vie. Si tu t'engages à être avec moi encore, je ferai de toi une princesse. Je vais envoyer cuit un œuf. Je lui ai dit, tu as ramassé mon numéro dans quelle poubelle? Tu as pris ça où? Est-ce que tu oses me dire que tu m'aimes?
Tu m'aimes dans quoi? Tout ça pour venir rester le job. J'ai refusé. J'ai dit, tu dis que tu vas me traiter comme une reine. Je suis déjà une reine. Ça ne m'intéresse pas. Voilà les femmes qu'on épouse. J'ai dit qu'un. Voilà les femmes qu'on dote. On épouse. Tout ça parce que tu as été le boxeur. Merci. Parce que tu as été le boxeur. J'étais fabriqué de un homme. Non, mon train, c'est à 14h30. J'ai le temps, moi. Tu ne t'es pas dressé debout à la gare. Tu vois, pour venir t'asseoir chez les watts comme si tu payais quelque chose. Tu vois, je suis venu m'asseoir parce que je voulais trop manger. Parce que je cherchais un endroit pour faire le direct. Vous voyez comment on dépense pour vous. Tu crois que j'avais faim? Tu m'avais mangé quoi? Maman Sarah, ouais, je ne coupe pas. Toi, elle t'imagine à la vie là. Je me demande qu'un. Au fait, tu dors à quelle heure? Ma fille, tu fais comment pour toujours être connectée? Toi et Lince là, vous faites comment pour être toujours en direct? Je dis que depuis que je suis en paix, depuis que je suis rayonnante, que je brille, je suis douce. Tout le monde me va en mariage. C'est moi qui refuse. Ma foi, ici que tu vas me gronder, ce serait bien te gronder. Pourquoi le boxeur? Je ne bloque pas, pourquoi? Il a créé notre monde. J'ai dit au boxeur que quand il fallait sortir le bon cas, qui peut taper le bon cas comme moi? Tu as tourné. Tu n'as pas vu qui va le bon cas. Il fallait voir le boxeur. Quand je te prenais le bon cas avait deux mains. Parce qu'avec une main, je ne pouvais pas. Je te prenais le bon cas. Je tapais ça. Qui va encore faire ça? Qui va encore te taper le bon cas? Les autres te mordent, ils croquent ton bon cas avec les dents. Les vieilles chouettes. Moi, c'était avec douceur que je prenais le bon cas avec deux mains. Toi, tu pars ramasser les vieilles chouettes qui mordent ton bon cas. Qui peut te prendre le bon cas comme moi? Qui peut? Je n'ai pas tourné ça. De quelle... Attends, je m'en vais à Toulouse. Non? Je m'en vais à Toulouse. C'est le 10 de qui? Papa n'a placali. C'est-à-dire que vous allez comprendre ce que j'ai fait des muscles au papa placali. Je vais traiter les muscles du 10. Achille Mana, c'est la reine mère des abeilles. Maman, la fleur de l'île. Je t'annonce que j'ai déjà mangé mon gros plat. J'ai mangé. Là où j'ai la force. Je n'aurai pas de vertige. Je vais te toucher. Tu as compris? Je vais pleurer le deuil avec toi. Quoi faire pour nous dans la chambre? Même si c'est à la gare de Toulouse, même si c'est dans la voiture. Je vais faire ce que la Thaïlande a fait de toi. Je veux voir ce qui t'intéresse en Thaïlande. Je vais te traiter. Tu as compris? Tu vas faire les photos ensemble. Avec tes applacalis. Je vais te donner le coup de poing
sur tes tablettes de chocolat. C'est-à-dire que je vais tester tes tablettes de chocolat à chez les manas. Je vais te donner un coup de poing. Ma foi, tu prends le train. Mon train, c'est à 14h30. Ne m'envoie pas à la gare maintenant, m'assois là-bas. Pourquoi? Je vais tester les muscles d'Achille Mané. Je vais d'abord donner un coup de poing. Bim! Donc, je vais faire ça. Pour tester les muscles, tu sais comment on fait? Pour tester le muscle, si c'est bien. Quand tu fais ça, il y a la force, on peut tester. Quand le muscle gonfle, ça veut dire que les aplacadis sont bien. Vous comprenez? Il faut doser. Quand ça va monter comme ça et redescendre, ça veut dire que les aplacadis sont bien. Vous comprenez? Ne commence pas à me parler de trahison là. Tout le monde a été trahi dans la vie. J'ai dit que je m'en vais à Toulouse tester le lion de qui. Vous voulez que. Vous voulez que je monte dessus ou bien je dis ça. Lise Sofiane Ménèf, ne continue pas à envoyer ça, c'est quoi? Bloque son numéro, c'est le nom de qui? Quand tu es tapé, c'est Dieu, bloque le numéro. Quel numéro? Ne commence pas avec moi. Hein. Je ne rigole pas, j'ai le train à prendre, j'ai 6 heures. Ne m'énerve pas. Ne fais pas, je bois encore un verre. D'accord, ma faut pas voir. C'était ta pause, non? D'accord, chérie. Continue. Ma, laisse ce que tu dis. Tu sais quoi, chérie? Tu dis que le petit Kiki, moi je veux pas te mentir, je n'aime pas quand ça blesse. Parce que quand tu parles que c'est petit, je préfère quelqu'un qui a un petit bien dur que quelqu'un qui a un gros qui est mou. Que tu tiennes toujours avec la main avant de mettre dedans. Non, ma, ça fait mal au dos. Donc, ton truc là que tu dis que oh, le kiki s'est monté, s'est descendu, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la taille du bateau qui fait dans la façon un navigue. Oui, je n'aime pas quand c'est trop gros. Oui, quand c'est moyen. Tu parles de quoi? Tente de passer le message au 10. Ce soir, je serai ta. C'est la vieille marmite. Ce soir, non? Non, la vieille marmite. Ouais, maman. La vieille marmite pour les bonnes sauces. Non, ce soir, non, maman. Je vais mettre le cabas, je vais seulement soulever. C'est vous qui voyez, maman. Est-ce que vous donnez votre avis? Ma faut sur la page de Priscaline dans le match, elle a déjà pris ta. D'autres en Angleterre. Ah bon? À qui, ma? Elle vient pour manger à deux. J'ai mal au bas-ventre. Maman, les petits, où ils travaillent alors? Quand tu te lèves, tu cherches seulement le ventilateur. Tu parles de quoi? Moi, je ne veux même pas quelque chose qui m'a cassé le dos. Tu dis Kikinette, maman, les gens ont déjà vu les noms. Comment va Serge Anango, mon frère? Mon frère, c'est chéri Serge Anango. Il faut que j'ai venu à la soirée. Serge Anango, comment il va? La SAC TV, il fait tous les directs. Maman, tu as déjà été combattu. Yeah! Par les gens qui m'ont là combattu. Ma, faut reprendre les blessés de guerre. Bien sûr, on reprend les blessés de guerre parce que on a trop de blessés de guerre. C'est ça qu'il s'agit. Ne vous inquiétez pas, mes cœurs. Tu mens. Tu sais quoi, Ludovic? Tu es jaloux parce que tu as le ventre de la semoule. Tu as compris? Va faire le sparet, le maïs, le couscous. Tu manges le tarot, tu manges le couscous, tout ça, la mélanger, le lait, c'est toujours toi. Tu prends deux kajis, tu bois, c'est toujours toi.
tu jalouses les muscles cachés, naturellement, c'est bien naturel. Tu as compris, non? Pourquoi tu es jaloux? Continue à manger le couscous avec bah, les coq, le coq, non, les choses avec le sucre là. Tu jalouses les muscles cachés, les manas. Si on va courir le matin à 5h, non? D'accord, j'ai une langue. Donc, hein, laisse-moi ce que tu racontes là. Pis, c'est comment? C'est comment maman en ganga? C'est comment? Tu as fait un ganga, n'est-ce pas? Sur ma yamse et moi. Il fait beau comme ça, mais fait. Il t'a gigolé quoi? Arrêtez de salir les enfants des gens pour acheter les manas. Il t'a pris quoi? Il faut arrêter ça. Il t'a pris quelque chose. Si une femme lui propose de donner, il ne prend pas pourquoi. Arrêtez un peu. Et puis, on va aller au Gabon. Hein. Il faut que tu organises au Gabon. On vient au Gabon. Iboka. Mais quand même, hein. Pisse. On parle pas mon sac. Mais vous derrière Facebook là, vous me faites rigoler. Hein. Attendez, on marche ensemble. Je pisse ce souvenir là-bas. Les gens, pardon, attendez pas pisser. Hein. Pardon. Mais pisser la gare là, c'est pas très en sécurité. Pisse. Hein. Pardon, t'es pas pisser. Attendez, moi pisser. Hein. T'es pas pisser, mais tournez la caméra. Pardon, le sang. Attendez, je vais on va taper le petit bon. Pissez, je reviens. Attendez-moi. Attendez, pas pisser. J'arrive. Je mets mon téléphone comme ça. J'arrive avec eux. Je suis un peu plus de temps.
Ah là, merci d'avoir suivi mon téléphone. Merci. Allez, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Voilà. Donc, ça va. Donc, maintenant, maman, je vais. Rien que la marche, merci d'avoir suivi mon téléphone. Rien que la marche aussi, ça va enlever ma nourriture dans le ventre. Ah, la garde Australis. Faut tirer les sacs. Oh, maman, la tireuse de valise. Oh. Si un type avait mangé, quoi. Ouf. Oui, maman, le vin. Et tu es là-haut, tu bois le vin. Si elle ne boit pas comme ça, la force sera où? Chacun connaît son médicament qui lui soigne en bien. La marche de ça, les travaux partout à Paris. C'est énervant. Hein? Les travaux partout. Partout, partout. C'est les travaux. Hein? Les travaux partout à Paris. Hein? Les immigrés seront toujours importants dans ce pays. Vous avez compris, non? Parce que avec tous ces travaux-ci, les qui travaillent, vous voyez un Français venir se mettre dehors là, travailler jamais. Regarde les chantiers. Les qui sont dans les chantiers, c'est les immigrés. C'est pour ça que. Les immigrés seront toujours importants dans ce pays. Vous comprenez? L'immigré sera toujours important dans ce pays. Ah, les chantiers, les qui walk, les what, ils peuvent travailler comme ça dehors. Ah, ils viennent seulement travailler au bureau, inspecteur des travaux finis. Hein? L'immigration sera toujours importante. Oui, pour l'Europe. Parce que les vrais what, ils ne peuvent pas venir travailler dehors jamais. Ils sont chez eux, non? Ils ont les allocations, non? Ils ont les aides, ils ont les familles à nourrir. Le what a quel problème? Hein? Si les immigrés ne travaillent pas là. Oui. Ah, le sac qui me fait tomber. Hein? Si les immigrés, les Jeux Olympiques, les travaux partout, partout. Dites-moi où il y avait un blanc dans le chantier. Vous pouvez les voir là. Que qui est mort? Ils sont eux là, ils viennent seulement comme ingénieurs de contrôleurs de travaux finis. Il vient quand il n'y a pas le soleil. Voilà vos frères noirs. Aucun what. Aucun. Que s'il tombe, il se blesse. Tu parles. Et ces gens-ci vont toujours nous manquer de respect. Voilà votre frère avec deux. Voilà votre frère, il avait deux valises. Qui l'a chassé, maman? Quand tu vois un immigré avec deux valises, son gars l'a mis dehors. Mieux de lui. Mieux de lui, maman. Il vient du bled. Maman, elle dit que les noix et les valises. Oui, oui. J'ai une question. Pourquoi les Africains aiment les valises? Ils aiment les sacs comme ça, maman. Hein? Voilà ton frère. Hein? Voilà votre frère. Oui, voilà votre frère. Deux grosses valises. Que tu sens que là, tu viens d'arriver en Belgique. Tu viens avec deux grosses valises pour aller où? Qui va te prendre dans sa maison avec deux grosses valises? Non. Ouais, c'est pour l'aider. C'est que ma père aussi me dit. Le voilà. Il a tout. Seigneur, il a trois valises. Attendez, je vais l'aider. Ouais, il a trois. Je vous jure.
Oui. Je vais l'aider. Ça va, tu veux un coup de main? Tu parles français? Tu veux un coup de main? Ça va aller? Parce que seul comme ça, c'est... Je peux t'aider, hein? Ouais, je vais te donner un coup de main. Ma part même pèse. Je peux te donner un coup de main. Tu viens de quel pays? En Sierra Leone. Waouh. T'as beaucoup de valises, hein? Oh, je pouvais bien t'aider, là. Oh là là, c'est chaud, hein? M'aide. Regarde, 4 valises. Oh là là, je ne peux pas l'aider. Oh, oh. Il a 1, 2, 3, 4, il a 5. Ah. Alain, qui va l'aider? Maman. Maman. Courage, oh, courage. Quand vous venez à Mbé, laissez d'abord les valises là. Laissez ça. Maman, les valises. Et face de pas blesser. Les sang mangeurs, on en prend. Maman, les émigrés. Aucun blague dans le souffle. Non, ma, non. On dit que Dieu, les Africains sont nés pour souffrir. C'est souvent quoi même qu'on traîne dans les valises. Non, les noirs souffrent, vrai, vrai. Mon vrai. Il vient de ça. Il a 5 valises. 5. Là, il est là, même encore où il va habiter. Mon frère, quelqu'un là, il ne sait même pas où il va habiter. Il y avait 5 valises. Maman, les valises de quoi? Sans compter d'autres. Eh, maman, tu m'as pas, ça me dépasse. Les gens, les immigrés vont nous finir. Maman, il a 5 valises. Il ne sait même pas où il va long. Moi, ouais. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là, il ne sait même pas où il va long. Il a 5 valises, maman. Tu imagines? 5 valises. Sans savoir où tu vas habiter. Où tu vas dormir. Tu as 5. Non. Maman, ouais, c'est la guerre. Maman, on ne vient pas chez moi. Comme c'était. Il y a les immigrés qui. Même dans les foyers, ils achètent la brocante. Quelqu'un au foyer. Je suis à la gamme, hein. Oh. Maman, je suis à la gamme, moi, ça me dépasse. Je dis que certains immigrés, ils sont au foyer, mais ils achètent bien les choses que quand ils auront les papiers, ils vont envoyer en Afrique. Moi, ça me dépasse. Tu n'as pas d'abord la place, tu achètes la brocante, tu pars où avec? Hein, les gens? Oui! Conseillons nos frères. Tu es dans un foyer d'accueil. Tu pars à la marché de la brocante acheter des choses. Maman. Oh, la vie de l'homme. Regardez alors. Et tu. Ah, la sœur, on dit que quand Fleur de Lis gagne ses 5 francs, on dit que oh, elle vend le piment. Ah, le piment là alors. Tirez les valises, maman. Allez dans les soirées. Ouh, ah, ma vie, ma soeur. Godoua. Hein? Je ne connais même pas encore. Train. Attendez. Oh. Oh. La vie. Hein, sa vie, non. C'est le feu. C'est le feu. Je ne sais même pas TGV. Départ à Toulouse. Attendez. Départ à Toulouse. Voir combien. Toulouse. La voix n'est pas affichée. Seigneur, la voix n'est pas encore affichée pour Toulouse. Les gens. Donc, je tourne la caméra. Ouh, maman, ma part me laisse. Ouais, maman. Et que c'est même pas où je prends la force là. C'est Dieu qui me donne la force parce que, vrai, vrai, c'est pas facile. Les gens. Donc, à la télé. Donc, je vous disais que, attendez, vous expliquer que
Je cherche la place. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.